À toutes et tous, j'espère que vous m'entendez, que vous m'entendez bien. Donc, je suis Danielle et je vous souhaite Daniel Pelé et je vous souhaite bienvenue à notre webconférence. Quels modèles économiques pour assurer transition écologique et justice sociale Qui donnée dans le cadre du Festival des Solidarités, autrement dit Festisol, son petit nom, qui est un rendez-vous annuel pour ceux qui ne le savent pas, qui a lieu en novembre un peu partout en France pour promouvoir la solidarité internationale. Et la conférence de ce soir est proposée par Attaque Rennes, le collectif Festisol et la Maison internationale de Rennes. Et Elle s'inscrit dans un cycle de conférences en ligne, crise sanitaire oblige, proposée afin d'éclairer le thème retenu par le Festissol cette année, à savoir climat et inégalité. Donc je remercie la Maison internationale de Rennes, la MIR, Eva Rouet et toute son équipe, le collectif Festissol de Rennes et Attaque Rennes et France pour la mise en place de l'événement. Et au nom du collectif Festisol de Rennes, je remercie chaleureusement Jean-Marie Arribet d'avoir bien voulu nous donner cette conférence en ligne. Jean-Marie est professeur d'économie à l'Université de Bordeaux, membre des économistes atterrés, du Conseil scientifique d'Attac et de la Fondation Copernic. Je remercie également beaucoup Léo Charles d'être co-animateur avec moi pour cette soirée. Léo est maître de conférences en sciences économiques à l'université de Rennes 2, également membre du Conseil scientifique d'Attac et des économistes atterrés et militant au sein de notre communauté locale de Rennes. Donc juste pour introduire un peu le sujet, Jean-Marie et Léo font partie des 192 économistes signataires de la lettre ouverte publiée récemment en particulier par Mediapart le 18 novembre dernier et qui demande à l'Union européenne de revoir sa copie sur l'accord UE Mercosur. D'ailleurs, peut-être y aura-t-il des questions sur cet accord qui est très favorable en termes d'impacts sociétaux et environnementaux justement pour les pays du Mercosur. Cette conférence est la deuxième du cycle des conférences. La première était celle de Jean Jouzel lors de la soirée inaugurale du 13. Vous y étiez peut-être d'ailleurs connectés et vous attendez maintenant avec impatience des éléments sur les modèles économiques possibles pour assurer transition écologique et réduire les inégalités. Te passe la main Léo. Merci Daniel. Moi aussi je remercie Jean-Marie Arrivé d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste, je vais vous embêter deux minutes pour vous donner un peu les règles à suivre pour que cette conférence se passe au mieux pour toutes et tous, considérant que nous sommes en ligne. Alors, juste pour vous préciser le déroulé de la soirée, donc cette conférence elle se tiendra en deux temps. Euh, donc le premier temps, Jean-Marie va nous présenter euh, euh, pendant une quinzaine de minutes euh, le constat. Actuel, le constat qu'il dresse de, de, de la sphère économique actuelle. Puis on aura un temps de, de questions, vous pourrez réagir à, ce, à cette première partie. Et ensuite Jean-Marie reprendra la main pour continuer son, son exposé pendant 30 à 40 minutes. Et on aura encore un temps de, de questions d'environ 30 à 45 minutes pour, pour vous faire réagir. Alors je tiens juste à prévenir que cette conférence donc est enregistrée. Et donc, euh, si vous ne souhaitez pas euh, apparaître dans euh, l'enregistrement, vous pouvez euh, très bien arrêter votre caméra, couper votre, votre vidéo. Euh, vous avez euh, en bas à gauche de votre écran, euh, vous pouvez cliquer sur le bouton arrêter la vidéo, et comme ça, vous n'apparaîtrez pas euh, en vidéo. Euh, alors. Juste pour rappeler quelques règles, donc, on, on autorise bien entendu les, les questions. Pour que ce soit assez cadré, on vous demande si vous pouvez mettre un, un petit signe. Alors, quand vous appuyez sur euh, l'onglet participants, qui est à côté de donc arrêtez la caméra, sécurité, vous avez un onglet participant. Donc, vous avez quand vous appuyez dessus la liste des participants et vous avez une flèche verte ou une croix bleue euh, que vous pouvez donc vous pouvez appuyer dessus. Euh, voilà, là, ça voudra dire que vous voulez prendre la parole et euh, moi j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser votre question directement à Jean-Marie. On s'est dit que ce serait plus sympa si chacun posait directement de vive voix ses questions. Euh, néanmoins, si euh, jamais vous avez des problèmes de connexion, si vous êtes un peu timide, vous pouvez aussi très bien, euh, dans l'onglet Converser, saisir votre message, euh, saisir votre, votre question. Et euh, avec Daniel, on se chargera de, de la récupérer, de la poser euh, pour vous à, à, à Jean-Marie. Euh, si jamais euh, des personnes euh, ont du mal à se connecter, euh, vous pouvez les inviter à rejoindre la conférence par téléphone en composant le 01-70-37-22-46. Vous avez eu ce numéro dans l'invitation aussi. Et je crois normalement que cette conférence est diffusée aussi sur la radio locale du Blon, quartier des Ondes. Et donc vous pouvez aussi, comme on enregistre, vous pouvez retrouver cette conférence. Euh, sur, euh, sur internet, on mettra le lien sur, euh, sur internet. Donc, euh, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous, et on laisse la parole donc à Jean-Marie Arribet Eh bien, bonsoir à vous tous, vous toutes. Euh, merci beaucoup pour cette invitation, et on va essayer de réfléchir à la question que. Alors, j'ai un problème de passage. Ah, pourquoi ça marche pas là Excusez-moi. Et pourquoi ça n'avance pas Pourquoi ça n'avance pas euh... Bon, j'ai un problème. Euh voilà, je pense que ça va aller, voilà, excusez-moi, j'avais un petit problème de, pour faire avancer le montage, donc euh, rebonsoir à vous tous, euh, donc pour répondre à la question que vous avez euh, posée, quel modèle économique pour assurer la justice sociale, la transition écologique, je vais m'aider du travail que j'ai effectué pour euh, publier le livre qui est paru juste au moment où le confinement démarrait euh, l'hiver dernier et euh, qui porte le, le, le titre du, le trou noir du capitalisme pourquoi j'ai fait cette analogie avec ce qu'ont découvert les astronomes au cours des dernières années ils ont découvert l'existence de corps célestes dont la gravitation dont la force gravitationnelle est tellement importante qu'ils absorbent tout, tout élément matériel et tout, est, tout rayon lumineux ce qui fait qu'on ne peut pas les voir puisque rien de, venant d'eux ne nous parvient et ils ont appelé pour cela les trous noirs et par analogie je pense que, entraîné par sa logique d'expansion infinie, le capitalisme tend à absorber toutes les activités humaines, toutes les ressources naturelles, tout le vivant et même toutes les connaissances que nous mettons au point, et pour en faire des marchandises. Donc, c'est ce qui vous explique donc l'analogie à laquelle j'ai euh, procédé. Et pour ne pas être aspiré dans ce trou noir du capitalisme, je propose trois pistes que je vais euh, développer dans un instant, réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie. Et en termes théoriques, et si nous faisons de l'éducation populaire aussi, c'est pour, pour permettre à tout citoyen d'aborder de, des réflexions de chercheurs et de grands penseurs. Le, la, ma première partie euh, de, de l'exposé se situera dans le sillage de Marx pour comprendre la situation de l'économie mondiale aujourd'hui. Et la deuxième partie euh, s'inscrira dans le sillage, sillage de cet anthropologue hongrois de l'entre-deux guerres qui s'appelait Karl Polanyi. Alors, le, le, bon, vous voyez à l'écran l'image euh, de... De la couverture de mon livre, je passe rapidement pour voir pourquoi je vais m'inscrire dans le sillage de Marx pour comprendre la crise sociale et écologique du capitalisme. Parce que il avait dans, un, dans une page célèbre du, du premier livre du Capital écrit que le capitalisme était en train d'épuiser les deux sources d'où jaillit toute richesse la terre et le travailleur. Alors, quels sont les éléments qui factuel que l'on peut euh, cerner pour euh, voir euh, comment se manifeste cette crise du capitalisme aujourd'hui. Le premier élément et euh, qui est à la racine de toute production de valeur économique dont veut s'approprier toujours le capital c'est l'évolution de la variation de la productivité du travail dans le monde et on constate que la tendance, que maintenant tous les organismes statistiques euh, mettent en évidence cette tendance pour depuis à peu près une quinzaine d'années est à la baisse de la croissance de la productivité du travail dans le monde. Et lorsqu'on sait, qu'on a compris que euh, c'est la productivité du travail qui nourrit l'accumulation du capital, qui nourrit l'expansion économique, donc si le, la productivité du travail augmente de plus en plus faiblement dans le monde, quelle que soit la région du monde. Et vous voyez depuis donc 2005 à peu près que tant aux États-Unis que dans les pays émergents que dans les autres pays développés, les quatre courbes qui sont là, vous voyez que ces cette tendance est, euh, est vérifiée partout. Euh, je reviendrai dans la discussion, si ça vous intéresse, sur les hypothèses qui nous permettent de comprendre pourquoi cette productivité n'augmente plus aussi fortement qu'auparavant. Je laisse ça pour la discussion tout à l'heure pour ne pas euh, alourdir euh, l'exposé préliminaire. Mais vous pensez bien que euh, si euh, cette productivité du travail qui nourrit toujours l'accumulation du capital se ralentit, euh, les euh, grands... Euh, propriétaires des moyens de production, les grands capitalistes pour le, les appeler par leur nom, ne restent pas les bras ballants et donc vont trouver essayer de trouver des parades, euh, des parades. Sinon, euh, le, le taux de profit ici mesuré par euh, pour l'économie américaine depuis donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez la tendance qui est au fléchissement de celui-ci. Bon. Donc, quelles sont les parades la première parade, c'est de se débrouiller pour réduire la part du travail, donc les salaires, dans la richesse produite. Là, vous avez un schéma qui porte sur l'économie française, avec quatre courbes pour l'ensemble de l'économie, ou bien simplement les entreprises du secteur marchand, ou les entreprises financières, si on les ajoute. Donc, vous voyez que partout, donc, il y a eu une, une tendance au fléchissement très net, puis il y a une relative stabilisation, mais à un niveau historiquement bas. Et cette évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée euh, se vérifie aujourd'hui dans tous les pays au monde. Le, le Bureau international du travail, dans son rapport qu'il publie presque chaque année, euh, l'atteste maintenant pour tous les pays euh, au monde. Et vous, dans mon livre, Le tournoi du capitalisme, je mets plusieurs graphiques portant sur un, un nombre de pays plus importants, euh, plus nombreux que la France seule, pour euh, étayer euh, cette thèse. La, la, la conséquence, c'est que effectivement, si on projette là le, le graphique qu'a établi mon ami Michel Husson, qui met en parallèle l'évolution de la productivité, donc la courbe grise qui, qui, qui reproduit la moyenne que vous avez vue précédemment, euh, et le taux de profit repart à la hausse à partir du tournant des années 80, et cette, cette date-là correspond d'une part... À la modification de la gestion de la force de travail à travers la parc dévolue au salaire, c'est ce que je disais à l'instant, et aussi par la fuite en avant financière. Donc, c'est le début de l'époque du néolibéralisme ou du capitalisme financier. Et donc, pendant un temps, mais je dis bien pendant un temps seulement, c'est-à-dire grosso modo pendant deux décennies, le taux de profit s'est rétabli, surtout pour les grandes entreprises ayant une vocation internationale. Et. Euh, mais cette tendance-là, elle a aussi eu, euh, elle s'est arrêtée au milieu de la décennie 2000, puisqu'on a débouché sur une grande crise également en 2007-2008, et que l'on peut interpréter comme l'impossibilité pour le capital financier de pallier durablement et a fortiori éternellement la chute de la progression de la productivité du travail qui nourrit. La progression réelle de la rentabilité. Tout ceci concerne le premier volet, tout ce que je viens de dire concernait le premier volet de la crise du capitalisme, son volet social, les contradictions sociales. Mais vous savez que c'est greffé, c'est ajouté à ces contradictions d'ordre social des contradictions d'ordre écologique, sur lesquelles je vais passer assez vite puisque Jean Jouzel, la semaine dernière, a présenté donc. Tout ce que l'on sait sur le réchauffement du climat, ici vous voyez donc l'élévation de la température depuis deux siècles euh, due à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Euh, et selon euh, selon les scénarios euh, pour lutter contre ce réchauffement, on aura une élévation de la température qui dépassera très vraisemblablement les plus de degrés euh, par rapport à l'époque préindustrielle et euh, Peut-être, malheureusement, on atteindra les plus 3 ou voire plus 4 ou 5 degrés Celsius. Et c'est à ce moment-là que l'incertitude devient totale, parce qu'on ne sait pas comment se produiront les bouleversements climatiques consécutifs à une élévation trop importante de la température. Bon, ça, je ne m'apesantis pas là-dessus parce que ça a déjà été abordé, mais ce point, le point sur lequel je voudrais insister est le suivant c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, mais moins vite que la, les, que la production, ce qui fait qu'il y a une déconnexion relative, mais pas absolue, entre l'évolution de la production, ici qui est mesurée par la courbe en pointillé, en gros pointillé. Donc ça, c'est la, la production mondiale. Et ici, c'est la production les émissions, ce sont les émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalent CO2, euh, dioxyde de carbone. Et le rapport entre le CO2 émis et le produit mondial, donc la courbe noire qui est dessous, va en diminution. Donc ce qui veut dire que nous sommes... Moins émetteurs relativement à la production, mais comme la production augmente plus vite, il y a ce qu'on appelle un effet rebond qui fait que nous, les, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de, de manière absolue, même si c'est un peu moins rapidement qu'auparavant. Donc, je termine là la première partie, euh, petite introduction à mon exposé pour souligner que ce qui fait la particularité, l'originalité même de la crise actuelle de l'économie mondiale menée par le capitalisme, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, et donc a fortiori dans l'histoire du capitalisme, il y a une conjonction des contradictions d'ordre social et des contradictions d'ordre écologique. D'où, en résumé, la conjonction des crises sociales et écologiques. Et euh, je pense que toute la crise du capitalisme est dans la difficulté d'aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la force de travail et au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la nature. Et c'est parce qu'on arrive peut-être au bout euh, ou très près de ce seuil. De ces deux seuils d'exploitation, que je mettais ça sous le patronyme, en quelque sorte, sous le patronage de Marx, qui avait donc analysé déjà il y a un siècle et demi l'épuisement par le capitalisme des deux sources de la richesse, que sont la terre ou, ou la nature de manière générale, et le travail. Et donc voilà, on va faire une petite pause pour que vous puissiez poser une première série de questions sur les éléments dont je viens de parler avant d'envisager donc la suite, c'est-à-dire la manière dont on pourrait éviter de tomber dans ce, ce que j'ai appelé ce trou noir du capitalisme. Merci, merci Jean-Marie. Est-ce que vous me voyez? Non. non. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions sur le, le, le chat, hein, le volet conversé, ou bien, ou bien euh, en levant la main, comme l'a expliqué Léo, en attendant peut-être des formulations de questions et je vais en poser euh, une un peu générale hein, que nous avions préparée. Donc euh, contre toute attente hein, avec les mesures de confinement et de la crise Covid l'humanité a montré qu'il est possible de freiner la machine économique mondiale pour le grand bien de la vie sur Terre. Vous en avez déjà un peu parlé, Jean-Marie, mais et quels enseignements tirez-vous de cette crise sanitaire actuelle J'ai toujours le micro, oui. Euh, la crise de, dite du coronavirus, hein, la pandémie qui nous est tombée dessus il y a presque un an maintenant, euh, a bloqué, a, dé, a entraîné le blocage de l'économie par décision politique. Hein, la, tous les gouvernements ont se sont mis d'accord pour arrêter l'économie, pour mettre une partie de la population active au, à l'arrêt, c'est-à-dire euh, même en compensant les salaires qui ne pouvaient plus être versés par les entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise sanitaire euh, qui, bloque les, qui a entraîné le blocage de l'économie s'est produite sur le fond, sur un fond de crise globale du capitalisme qui était déjà là. Et donc, euh, le, et, et le, le, la crise sanitaire, euh, finalement, exacerbe les contradictions que j'ai énumérées il y a un instant, euh, mais ce n'est pas la crise sanitaire qui provoque les, le, le, le blocage du système à l'échelle mondiale que l'on avait pu mettre en évidence déjà auparavant. Et d'ailleurs, on pourrait montrer plein de, de, de documents, de courbes qui montrent que la production industrielle, par exemple en Europe, avait commencé à diminuer bien avant que s'installe la crise pandémique. Donc, le, il faut bien comprendre qu'on qu a une crise pandémique qui était inattendue, encore que les épidémiologues nous avaient alertés depuis longtemps sur le risque de ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire de transfert des, des virus de, de la faune sauvage à l'être humain. Et nous en avons, avons un exemple. Quasiment parfait avec le Covid 19. Donc, mais la brutalité de cette pandémie, cette brutalité était inattendue et elle s'est greffée sur cette crise euh, latente, mais de plus en plus explicite du capitalisme depuis un certain nombre d'années et dont je, je pense que la racine de cette crise-là provient du fait que le capitalisme n'arrive plus à extirper de la force de travail une augmentation de la productivité suffisante pour nourrir l'accumulation du capital, pour nourrir cette expansion économique qui semblait euh, vouloir être infinie, mais qui se heurte aujourd'hui à deux types d'obstacles, de, et d'obstacles réels. Hein. Euh, celui de, du seuil au-delà duquel on ne peut pas exploiter la force de travail encore davantage, et du seuil au-delà duquel on ne peut pas exploiter la nature parce qu'on a une biodiversité qui se se dégrade, On a un réchauffement climatique à cause des émissions de gaz à effet de serre. On a des pollutions multiples. On a euh, notamment qui touche l'eau et euh, puis l'air, et on a également un épuisement des sols au fur et à mesure que le modèle de production agricole intensif s'est généralisé dans beaucoup d'endroits de la planète. Et donc, c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Et au début de la pandémie, et quand l'économie s'est arrêtée, il y a eu une première discussion tout à fait, euh, euh, j'allais dire passionnante, mais en tout cas très étonnante, euh, au sein de la profession des économistes pour savoir si cette crise était due à l'économie ou n'était pas due à l'économie. Alors, c'est sûr, la décision d'arrêter l'économie, elle a été le fait de la politique, du, des décisions euh, politiques, mais. Euh, le, la, sa survenue sur le fond de la, euh, de la crise globale du capitalisme, à la fois sociale et écologique, cette crise-là ne peut pas être euh, caractérisée comme étant conjoncturelle. Euh, comme on a l'habitude de parler des récessions qui reviennent comme ça périodiquement cycliquement. Donc ce n'est pas la crise à laquelle on a affaire, c'est une crise euh, d'ordre structurel, systémique et pas, et pas, et pas du tout conjoncturelle mais là-dessus c'est greffé un événement qu'on n'avait pas prévu et qui pourrait apparaître comme conjoncturel sauf que, les pandémies, nous disent les scientifiques, de ce type risquent de se multiplier à l'avenir. Donc, parler de crise conjoncturelle, même pour cet aspect-là, me paraîtrait un peu exagéré. Merci Jean-Marie. Alors, on commence à avoir des questions dans le, dans le chat. Merci, merci à vous. Enfin, si vous voulez les poser directement, n'hésitez pas hein, donc à, à lever le doigt virtuel. Enfin, on a un petit euh, signal vert si Vous voulez appuyer dessus, alors peut-être on, on a une petite question de précision de vocabulaire, comme ça qu'on s'entende tous sur le vocabulaire. Euh, Marie V nous demande qu'appelez-vous force de travail, et ensuite euh, Véronique nous demande donc qu'est-ce qui limite l'augmentation de la productivité. D'accord, je, je te laisse répondre à ces deux questions. Bon. force de travail, c'est le concept euh, qu'avait élaboré Marx au 19e siècle pour le distinguer. De, du travail pour faire apparaître que la force de travail produisait plus de valeur qu'elle n'en recevait sous forme de salaire. Et d'où la, la théorie de Marx sur la plus-value extorquée au travail. Donc la force de travail, cette capacité humaine, à la fois manuelle et intellectuelle, euh, cette capacité psychique, cette capacité euh, humaine à produire de la valeur économique au-delà de ce qu'elle a elle-même besoin pour se nourrir, se loger, s'habiller, etc. Bon, C'est une notion assez simple à comprendre. Euh, alors, les raisons pour lesquelles la productivité euh, n'augmente plus aussi euh, rapidement qu'autrefois, et notamment que pendant la période post-Deuxième Guerre mondiale, que l'on a appelée, vous le savez, dans les pays capitalistes développés, qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Pourquoi la productivité n'augmente plus aussi fortement qu'auparavant, tout au plus en moyenne... 1% par an alors qu'on était sur des rythmes de 4 à 5, voire 6% dans la période précédente. Il y a plusieurs... Alors, on n'en sait rien. On n'en sait trop rien. On est sûr que ça n'augmente plus beaucoup, mais on ne sait plus trop pourquoi, ou en tout cas, on a plusieurs hypothèses pour étayer cela. Euh, je, vous les... je vous les donne en... En vrac, euh, je vous dirai à la fin celle qui me paraît peut-être la plus importante, mais euh, à titre d'hypothèse toujours, hein, ce n'est pas une certitude encore. Euh, certains euh, chercheurs font état d'une difficulté à mesurer l'augmentation de la productivité au fur et à mesure que des nouvelles techniques euh, sont gratuites. Par exemple, il y a des logiciels gratuits. Donc, si c'est gratuit, on ne peut pas en comptabiliser la mesure dans des indicateurs économiques. Et puis, euh, il y a des équipements productifs, et notamment on pense aux nouvelles techniques informatiques et de la communication, euh, il y a des, qui sont de bien meilleure qualité, et on ne sait pas trop, les indicateurs économiques, on nous dit, ne savent pas trop comment il faut tenir compte de l'évolution de la qualité. Et donc, euh, on a des indicateurs économiques qui... Euh, ne mesure peut-être pas l'augmentation euh, physique réelle de la productivité. Et d'après cette hypothèse-là, il y aurait donc une sous-estimation de la croissance économique et une sous-estimation en amont de l'évolution de, de la productivité du travail. Bon. Moi, j'y crois pas trop à cette hypothèse-là. Je vous dirai pourquoi si vous êtes curieux. Mais bon, on la garde quand même à moi. Première hypothèse peut- être crédible alors celle-ci, c'est que toutes les économies au monde sont des économies essentiellement de services aujourd'hui donc une tertiarisation des économies dans le monde entier or dans les services, l'augmentation de la productivité est beaucoup plus faible toujours que dans l'industrie voire dans l'agriculture. Et donc en moyenne puisqu'il beaucoup il y a une part très très importante des services, en moyenne ça fait baisser la croissance de la productivité globalement. Euh, troisième hypothèse euh, le, à cause du progrès technique, il y a une obsolescence de plus en plus rapide des équipements, et comme euh, cette obsolescence plus rapide des équipements oblige les entreprises à amortir dans des temps beaucoup plus courts euh, les capitaux techniques qu'elles ont euh, dans lesquels elles ont investi, ce qui fait que euh, ça affecte l'efficacité du capital. Quand il faut le rentabiliser dans un laps de temps de plus en plus réduit à cause de l'obsolescence, alors ça affecte l'efficacité du capital. Il y a un économiste américain qui s'appelle Robert Gordon qui depuis des années explique que, et ça va être la quatrième hypothèse, que le progrès technique aujourd'hui n'engendre plus. Euh, des, des secteurs moteurs comme autrefois, lors de certaines euh, innovations techniques, avaient pu engendrer la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, et puis aujourd'hui la troisième, qui ne produit plus les secteurs moteurs comme avait été euh, l'énergie pétrolienne, puis l'énergie électrique euh, à, la, à la charnière des, des siècles 19 et 20. Et donc, les seuls secteurs moteurs qui sont entraînés par ce boulet technique, ce sont c'est le secteur des technologies des, des TIC, des technologies de l'information et de la communication, mais encore de manière temporaire. Et d'où le célèbre aphorisme de l'autre économiste américain euh, dans les années 80, Robert Solow, qui avait dit, sous forme de boutade, ah, euh, les ordinateurs, on les voit partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Et donc, effectivement, ça fait maintenant 20-30 ans qu'on n'arrive plus à mesurer euh, cette progression de la productivité de manière aussi importante. Cinquième hypothèse, qui n'est pas contradictoire bien sûr avec les précédentes, hein, c'est le vieillissement partout dans le monde de la population, sauf en Afrique encore. Euh, partout on assiste à un vieillissement de la population, et donc une capacité d'innovation sans doute à long terme, à moyen et long terme, moindre qu'autrefois, ou moindre que lorsque vous avez une population jeune. Et enfin, et je dois avouer que c'est l'hypothèse qui me semble la plus plausible, en tout cas euh, qu'il faudrait souligner avec force, c'est que comment, comment voulez-vous qu'un modèle social euh, fondé sur la précarisation de la force de travail, on y revient, comment voulez-vous qu'un modèle social fondé sur la précarité engendre des gains de productivité élevés C'est impossible. Et je pense que la difficulté du capitalisme aujourd'hui, enfin l'une de ses difficultés majeures, c'est d'arriver à construire un modèle social qui soit porteur de gains de productivité, comme l'avaient été euh, les modèles sociaux, comme l été oui les modèles sociaux de l'après-guerre euh, en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et ce n'est plus le cas. La précarité généralisée, l'affaiblissement des droits sociaux, la montée des inégalités. Comment voulez-vous que ça produise des gains de productivité élevés Merci Jean-Marie pour cette réponse très, très fournie, très détaillée, très claire. Je prends une dernière question du chat sur cette, sur cette rubrique et nous prendrons les autres après. Donc de Guy Durand qui demande Est-ce que l'on pourrait comprendre cette augmentation du taux de profit par les besoins considérables d'investissement du fait du changement de mode de production et Il complète. Cela pourrait-il s'expliquer par la théorie de Schumpeter de destruction créatrice alors, le, dans la discussion sur l'évolution de la productivité, effectivement, revient cette, cette idée que l'on doit à l'économiste autrichien Joseph Schumpeter dans, dans l'entre-deux-guerres, qui avait dit que l'évolution du capitalisme était toujours illustrée par cette... Euh, substitution de nouvelles industries, de nouvelles activités qui faisaient disparaître les anciennes hein. le, 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 les diligences ont été remplacées par le chemin de fer euh, et puis on pourrait donner plein d'autres exemples de ce type là euh, le, la situation actuelle euh, correspond-elle à cette situation, à, à l'idée de Schumpeter à savoir qu'il y a une destruction-création euh, simultanée d'anciennes activités pour la destruction et de nouvelles pour la, la création. Euh, on n'en sait trop rien. Alors bien sûr, les, ceux qui euh, vantent la, la généralisation de l'informatique, de la robotique, de l'intelligence artificielle euh, disent aujourd'hui que nous sommes dans une, dans une telle situation de destruction création. Le problème c'est que on n'a pas d'éléments euh, suffisamment probants aujourd'hui pour l'étayer. Par exemple, alors, on a, il y a des études qui essayent de mesurer, par exemple, quel sera l'avenir des emplois. Est-ce que le nombre d'emplois va continuer d'augmenter Parce que le nombre d'emplois augmente, jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'emplois dans le monde, et notamment le nombre d'emplois salariés, n'a jamais cessé d'augmenter, malgré l'augmentation du chômage. C'est un des paradoxes qu'on expliquera peut-être plus tard, mais le nombre d'emplois à continuer d'augmenter. Est-ce que ça sera toujours le cas avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle et la numérisation de l'économie? Et on n'en sait rien. et les études qui tentent de chiffrer euh, cette évolution sont aboutissent à des résultats totalement contradictoires, euh, ce qui fait qu'il oh, vaut mieux rester extrêmement prudent euh, dans, cette, euh, dans, 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 dans cette prospection. Alors, euh, la question que posait notre ami, là dont j'ai perdu le, le nom, pardon, euh, le, faisait essayer de faire un, un rapprochement avec l'évolution du taux de profit et les investissements. Alors, les investissements n'ont pas disparu, mais euh, je n'ai pas voulu alourdir le, le diaporama pour introduire des schémas et des graphiques sur l'évolution des investissements, mais. Aujourd'hui, la recherche et le développement continuent de progresser, les investissements continuent de se réaliser, mais dans des proportions qui sont sans doute peu à même de déclencher des euh, des rythmes d'accumulation du capital de manière aussi élevée que dans les époques antérieures. Et donc, euh, euh, alors comment comprendre cela Parce que euh, les il y a des immensités de masse de profits qui sont générées par l'activité économique, toujours, malgré le ralentissement de la productivité, il y a une immense capacité de profit, mais les occasions d'investir de avec des espoirs de rentabilité élevés, ces occasions d'investir sont peut-être pas aussi fréquentes que, on pourrait, que les capitalistes pourraient le souhaiter. Et pourquoi ces occasions d'investir euh, ne, euh, ne sont pas suffisantes à leurs yeux. Non pas qu'il n'y ait pas de besoin à satisfaire, mais il n'y a pas de besoin solvable suffisamment nombreux pour être capable de produire des rentabilités de 15 ou 18 ou 20 par an pour les investissements qui seraient réalisés. Et donc, c'est toujours une. Une réflexion qu'il faut mener sur le plan relatif. Il y a des profits, c'est évident. Il y a des investissements, c'est évident aussi. Mais, mais il n'y a pas d'occasion d'investir à des hauteurs de rentabilité suffisantes aux yeux des détenteurs des grands capitaux dans le monde. voilà c'est comme ça que je peux répondre à cette question qui est tout à fait intéressante mais dont vous voyez la complexité parce qu'il y a, euh, il y a à la, elle mêle à la fois des aspects d'ordre technique quelle, sont les, quelle est l'évolution des instruments de production dont nous disposons? avec la robotique et l'intelligence artificielle, quelles sont les évolutions des profits et quelles sont les, les évolutions des occasions d'investir sur des besoins dont la solvabilité n'est pas à la hauteur des espoirs de rentabilité. Merci Jean-Marie. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il y a Emmanuel Henry qui a levé la main dans le, dans le chat. Donc dernière question assez courte pour qu'on puisse après passer... À la suite de la, de la présentation. Donc, Emmanuel-Henri, vous pouvez poser votre question à Jean-Marie. Euh, oui, bonjour. Euh, Je plus la vidéo, ce pas grave. Je vous remercie de, de ces éclaircissements. Et moi, j'avais quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette productivité, elle est aussi influencée par un mode managérial très descendant et qui, du coup, influe sur la prise de, de, de décisions ou plutôt d'acter des. Euh, euh, des. des euh, Excusez-moi, ce que j'étais en train de répondre sur Facebook avec quelqu'un d'autre, euh, d'acter sur euh, voilà, des, des, des envies de, de, de faire euh, et qui sont souvent éteintes par un, manager, un management complètement descendant. J'approuve je, je, tout à fait votre remarque et euh, elle était implicitement contenue dans ce que j'ai euh, dit tout à l'heure à propos de la dernière hypothèse qui qu avait ma préférence, c'est-à-dire un modèle social de précarité. Hein? et effectivement euh, modèle social imposé par un management qui euh, se, ne considère ne considère le travail que comme un coût et jamais comme une finalité en soi et jamais s'imposer le sens de ce travail le pourquoi on travaille et le pourquoi et le pour Quoi, pourquoi, en deux mots, on produit Quel type de bien, quel type de service on met à disposition Et donc, vous avez tout à fait raison de compléter l'hypothèse que j'avais énoncée tout à l'heure. Mais on te laisse continuer pour la suite de ta présentation, Jean-Marie Oui, d'accord, merci. Donc, on se donne 20 minutes de demi-heure, pas plus. Hein alors, donc, l'idée directrice de cette deuxième partie de l'exposé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être englouti dans ce que j'ai appelé le trou noir du capitalisme? alors, bien sûr, et je me suis aidé là aussi de ce que nous ont appris les astrophysiciens. Et je vous disais tout à l'heure qu'ils ont montré que la force gravitationnelle de ces trous noirs faisait que euh, ils engloutissaient tout. Ils engloutissaient tout à partir du moment où on franchit un périmètre, une frontière extérieure. Et donc, mon idée aussi la suivante qu'est-ce qu'on peut mettre comme limite à l'expansion du capitalisme pour ne pas être attiré dans ce dans ce, puits, dans ce trou noir euh, infernal Alors euh, je tire parti de cette intuition que je trouve admirable de Karl Polanyi qui donc euh, en 1944 a publié dans la Grande Transformation, euh, qui est son ouvrage majeur, euh, où il, il, est, il expliquait que si l'on marchandisait le travail, la terre et la monnaie, euh, parce qu'à ses yeux ce n'était pas des marchandises, c'est une fiction de les considérer comme des marchandises, mais si on les marchandisait alors ce serait la mort de la société. Donc, il dit, vous le voyez ici, si vous voyez ma flèche, aucune société ne pourrait supporter, ne fût-ce que pendant le plus bref, les effets d'un pareil système fondé sur des fictions grossières, si sa substance humaine et naturelle, comme son organisation commerciale, n'était pas protégée contre les ravages de cette fabrique du diable. Donc, je tire parti de cette intuition. Donc,. Euh, euh, pour s'opposer à la marchandisation du travail, de la terre et de la monnaie, pour euh, proposer trois pistes que sont la réhabilitation du travail, l'institution des biens communs et la socialisation de la monnaie. Donc je vais un peu euh, débroussailler chacune de ces trois pistes et puis on, on verra comment on peut en discuter ensuite. Alors je bâtis euh, les trois pistes avec la même organisation, c'est à dire qu'on peut étayer chacune de ces trois pistes par une réflexion d'ordre philosophique et puis par une réflexion d'ordre stratégique et politique. Donc sur le plan philosophique, je me range encore une fois derrière Marx pour expliquer que le travail reste central d'abord parce que le travail est le seul producteur de valeur, la force de travail comme on le disait tout à l'heure, et la a cette capacité de produire de la valeur économique nouvelle au-delà de, de ses propres besoins. Et le travail est central également parce qu'en même temps qu'il produit de la valeur, il est producteur de soi-même et facteur d'intégration dans la société, facteur de lien social, comme on dit aujourd'hui. Donc, il est les deux à la fois, mais avec une potentielle contradiction parce qu'il est donc un émancipation il est à la recherche de l'émancipation le travail mais en même temps il est aliéné il est à émancipation et aliénation en même temps et donc la réhabilitation de ce travail consisterait donc à lui redonner du sens comme je le disais tout à fait en répondant à la dernière question tout à l'heure lui redonner du sens et c'est à ce moment-là qu'on pourrait le faire entrer en cohérence avec la préoccupation d'ordre écologique qu'on reverra dans un instant également. Donc redonner du sens pour lui-même, mais également pour le rapport à la nature qu'il va euh, falloir introduire, parce que, comme le disait Marx, le, par le travail, l'homme établit un métabolisme avec euh, une relation de type métabolique avec euh, la nature. Une stratégie politique pour réhabiliter le travail. Donc, euh, si. Si on peut tirer quelque chose de bon, de prometteur de la crise du coronavirus, c'est qu'elle nous a montré au printemps dernier, pendant le premier confinement, eh bien, on s'est remis à parler de ce, comment on pouvait définir ce qu'était un travail utile. Donc, on a vu ce qu'étaient les, vraiment les travaux utiles dans la société et ceux qui, au contraire, eh l'étaient beaucoup moins. Donc, le travail de soins, le travail d'éducation, le travail d'acheminement de, des produits, donc, on, on sont véritablement apparus comme étant extrêmement utiles et même indispensables et, bien sûr, et en, en plus en étant productifs. Donc, on, on tire de cette idée. Et de cette mise en évidence, on tire de cette mise en évidence l'idée que euh, s'il y a un domaine dans lequel euh, la discussion sur ce qu'était le sens du travail, sur ce qu'étaient ses finalités, le pour, pourquoi, en deux mots, on produisait eh bien si un endroit où cette réflexion n'est pas entrée c'est là où on produit les marchandises justement les entreprises et donc l'introduction de la démocratie dans les entreprises pour pouvoir discuter du bien fondé du travail et du sens à lui donner est absolument indispensable. évidemment cette stratégie politique passe également par la restauration pleine et entière du droit du travail, alors qu'il a été amoindri par petits grignotages successifs au cours des dernières années à peu près dans tous les pays, et malheureusement ne sont bien placés en France pour ça. Et puis, la restauration de tous les droits sociaux. Rappelez-vous combien la sécurité sociale a été, elle aussi, grignotée par petits bouts, que ce soit la santé, les retraites et les allocations au chômage pour les, la dernière en date. Quatrième, euh, quatrième idée, la réduction des inégalités de revenus, alors, revenus au sens large, mais également des inégalités salariales. Et on pense en premier lieu aux inégalités qui perdurent entre les salaires féminins et les salaires masculins. Et enfin, stratégie politique pour remettre au centre de la bataille politique la réduction du temps de travail, qui fut, vous le savez bien sûr, la première bataille ouvrière au 19e siècle, après la révolution industrielle. Et la naissance du prolétariat salarié, mais qui restera, de mon point de vue, également la bataille au cours du 21e siècle. Et là aussi, si on peut tirer parti de la crise pandémique qui nous est tombée dessus au printemps, à l'hiver au printemps dernier, c'est qu'on a vu que la mise au chômage partiel, qui est une, une réduction du temps de travail qui ne dit pas son nom, certes très temporaire, mais qui vise à am amortir la décrépitude de l'économie, c'est-à-dire que l'économie va diminuer dans l'année sans doute nous diminuer de 10 par rapport à 2019, mais le chômage ne va pas augmenter de 10 Donc ce qui veut dire que la réduction temporaire du temps de travail qui a été imposée politiquement et à juste titre, eh bien, elle montre à l'évidence que la RTT a son rôle à jouer pour diminuer le chômage. Et je me suis amusé à calculer euh, la corrélation qui existait entre la proportion de l'emploi à temps partiel et le taux de chômage dans les principaux pays européens. Alors, bien sûr, pourquoi euh, faire cette corrélation entre le taux de chômage et l'emploi à temps partiel Eh bien, c'est que l'emploi à temps partiel est aussi une réduction du temps de travail, mais effectuée de la plus mauvaise des façons, c'est-à-dire sur une partie de la population active, principalement les femmes, mais on voit bien que... Dans tous les pays européens, là où il y a un emploi à temps partiel élevé, le taux de chômage est très faible. Et au contraire, comme dans notre pays, où le taux de chômage, pardon, l'emploi à temps partiel est un peu moins élevé qu'en Allemagne, par exemple, eh bien on a un taux de chômage beaucoup plus élevé. Et donc, ça reste une ligne de force de la bataille politique à mener. C'est-à-dire que de la même façon qu'au cours des 19e et 20e siècles, la production... A été multiplié sans doute par un facteur qu'on approche de 26, mais la productivité horaire du travail par un facteur supérieur. Et on a pu quand même créer trois quarts d'emplois en plus parce que le temps de travail a été divisé par deux depuis un siècle et demi. Nos aïeux travaillaient deux fois plus que nous quand on mesure ce temps de travail à l'année, par exemple, ils travaillaient deux fois plus. Et donc, s'il n'y avait pas eu une réduction une telle réduction de temps de travail, on n'aurait pas pu augmenter l'emploi comme on l'a fait euh, de manière euh, permanente depuis un siècle et demi. C ça, c'était le premier volet, donc, de, de mon triptyque « Réhabiliter le travail ». Passons au second, « Instituer les biens communs ». Là aussi, avec deux, deux, deux cadres de réflexion, un principe d'ordre de la philosophie politique et un principe de stratégie. Sur le plan de la philosophie politique, euh, il faut bien voir que les biens naturels comme euh, la lumière du soleil, euh, l'eau qui descend des montagnes, euh, etc., euh, les, euh, la pollinisation, euh, la fonction chlorophyllienne, etc., etc., tous ces biens naturels dont nous jouissons ne sont pas naturellement communs. Ils le deviennent par construction sociale, par décision de la société de les ériger jusqu'au statut de commun. Et bien sûr, leur valeur, hein, ces biens naturels que nous érigeons, que nous devons ériger en biens communs, euh, leur valeur échappe totalement au registre économique. Ceux qui vous disent que euh, la, la nature a une valeur économique intrinsèque ne, ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, la valeur économique intrinsèque est un, un non-sens absolu. Si nous donnons un prix aux biens naturels euh, que nous utilisons, par exemple, si nous acheminons l'eau, nous donnons un prix à l'eau, mais ce prix, à ce prix donné à l'eau ne mesure pas la valeur économique intrinsèque de l'eau. Le, le, le prix de l'eau mesure le coût de production et d'acheminement de l'eau, le coût de production et de nettoyage des réseaux d'adduction d'eau, etc., etc. Mais absolument pas le, euh, la valeur économique dite intrinsèque de la nature. Et si. On pourra en discuter tout à l'heure. Si on décidait de créer une taxe écologique pour pénaliser l'usage abusif de certains biens naturels, ça ne donnerait pas plus la, la valeur intrinsèque de la nature. Ça donnerait simplement la, le prix que nous donnons à la protection que nous décidons de considérer comme indispensable, ce qui est tout à fait étranger à une notion de valeur intrinsèque. S'il y a une valeur intrinsèque, elle est de notre registre, qui est celui de la philosophie politique, de l'éthique, mais pas du registre économique. Mais je n'en dis pas plus, sauf si vous avez des questions, parce que ça, c'était contenu dans mon précédent livre qui était intitulé La richesse, la valeur et l'inestimable, dont je ne donne qu'un petit aperçu résumé dans le livre actuel, Le trou du capitalisme. Le deuxième aspect de l'institution des biens communs porte sur la stratégie politique. Euh, et qui va nous permettre de voir la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs et les biens publics ou services publics dont nous avons l'habitude. Bon, premièrement, il faut quand même continuer de garantir la propriété collective des services publics et non pas s'acheminer vers, le, vers leur privatisation rampante ou, euh, ou brutale. Deuxième idée, euh, le travail. Dans les services non marchands, mais qui sont monétaires, ce, ce travail est utile, on le disait tout à l'heure, mais il est également productif de valeur économique. Il faut cesser de croire que les infirmières dans les hôpitaux, que tous les soignants de manière générale, que les éducateurs dans l'éducation nationale sont improductifs et produisent de la valeur économique. Et d'ailleurs, dans le fameux PIB, qui mesure toute la valeur économique qu'on a produite en une année, il y a le produit marchand et le produit non marchand. Les deux s'ajoutent. L'un n'est pas pris sur l'autre. J'insiste là-dessus. S'il y a des questions là-dessus, qui est un point névralgique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, l'idée est d'instituer les ressources naturelles, les connaissances, comme des biens communs. Qu'est-ce que ça ajoute à la notion de bien public ou de service public Ça ajoute euh, l'idée que ces biens communs doivent être gérés. De manière commune, de manière collective. Donc, il y a l'idée que la propriété publique, souvent euh, confondue avec la propriété de l'État, ne suffit pas à en assurer une, un accès euh, à tous et ne suffit pas à en assurer la préservation dans l'avenir. Et donc, c'est la gestion commune de biens institués en tant que communs qu'il s'agit de mettre en, en, en honneur. Et ce qui permet en réciproque, de revenir sur les services publics dont vous savez qu'ils sont essentiels, mais dont la, la faiblesse, et demain on le voit aujourd'hui dans notre pays, la faiblesse, c'est dans la mesure où ils ne sont pas contrôlés par la citoyenneté, ils ne sont pas contrôlés par la démocratie, et eh bien, on est assez impuissant à voir euh, à leur dégradation progressive et voir à, à observer leur privatisation rampante, je le disais. Et euh, à la suite de l'attribution euh, à euh, la politiste américaine Elinor Ostrom, euh, de l'attribution du prix décerné chaque année par la Banque de Suède, euh, euh, en l'honneur du travail qu'elle avait fait autour de, de, des, des communs, il y a toute une discussion internationale qui s'est greffée sur euh, ce renouveau à la suite du travail d'Ostrom, euh, autour de la notion de faisceau de droit à propos de ces biens communs. Ça veut dire qu'il doit, doit instituer un faisceau de droits à l'eau, à l'accès à l'eau, à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à la culture, euh, dont, dont nous avons vu l'importance justement dans cette période de pandémie, euh, établir un faisceau de droits pour que euh, non seulement ces biens communs soient gérés euh, de manière communautaire, de manière collective, mais en même temps euh, que euh, le droit d'accéder à, à, le, à leur usage soit garanti à tous euh, les habitants euh, de la planète. Et c'est là qu'on voit bien, euh, puisque euh, le festival que vous animez euh, a cette dimension internationale dont Daniel parlait dans son introduction, euh, peut s'insérer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de garantir l'accès à l'éducation et à la santé et à la culture pour les habitants des seuls pays riches, mais il y a immédiatement une dimension internationale qui doit être prise en compte à leur sujet. Bon, je passe rapidement sur ce schéma que je pourrais commenter si vous le souhaitez, c'est que, je, je vous le trouverai dans mon livre Le Trou noir, qui est un schéma qui essaye de montrer comment on, on peut considérer que la notion de bien public, de bien collectif, de bien commun peut être vue de manière complémentaire et non pas opposée. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Le troisième et dernier volet de ce triptyque pour éviter de tomber dans le trou noir du capitalisme, c'est la socialisation de la monnaie. Alors, c'est peut-être le, le point le plus technique, mais j'essaierai de, de, de clarifier les choses si besoin est de manière la plus simple possible. Là, encore une fois, un principe d'ordre philosophique et ensuite un principe de stratégie politique. D'abord, euh, euh, le premier point est tiré finalement de l'apport de de tous les économistes et socio-économistes qui, au cours des dernières décennies, ont renouvelé considérablement euh, l'étude de la monnaie pour vous mettre en évidence, et je pense notamment au travail qu'ont fait Aglietta et André Orléans à leur sujet, et dans lequel je m'inscris, et nous avions collectivement publié il y a trois, deux ans maintenant un petit livre intitulé La monnaie, un enjeu politique, sous l'égide des, euh, des, des économistes atterrés. Euh, nous avions publié à quelques-uns cet ouvrage dans lequel la première idée que nous mettions en avant était que la monnaie est une institution sociale à part entière qui n'est pas réductible au système capitaliste. Hein, ne serait-ce que historiquement, on sait que la monnaie, ça fait déjà plusieurs milliers d'années que l'humanité a inventé cet instrument, et alors que le capitalisme a trois ou quatre siècles d'existence derrière lui. Donc la monnaie est une institution sociale qui n'est pas réductible au capitalisme, ni à l'accumulation de capital privé, ni même à son rôle dans les échanges marchands. Parce qu'on sait aujourd'hui, toute l'histoire et l'anthropologie nous, nous l'ont appris, euh, euh, que la monnaie, dans toutes les sociétés ayant précédé euh, le capitalisme, avait euh, des fonctions complémentaires et autres que les seuls échanges économiques, mais elle participait à tous les échanges sociaux dans ces sociétés-là. Revenons à nos jours, la monnaie est bien sûr, ça vous le comprenez sans doute facilement, est un vecteur d'égalisation des travaux qui sont échangés et en même temps, un vecteur de socialisation, de participation à la vie collective. Je prends un exemple. Si on n'avait pas de monnaie, ce serait extrêmement compliqué d'organiser un système de sécurité sociale. Si on va à l'hôpital se faire soigner, on, a, on ne rémunère pas en nature les chirurgiens et, les, et tous les soignants, ils sont rémunérés par le prélèvement de cotisations et qui socialisent donc le coût de production de ces soins. Donc c'est un vecteur de, qui, qui ne sert pas uniquement aux échanges marchands privés, mais qui sert aussi à transmettre donc les services qui sont prodigués au titre de la protection sociale. Dernier élément, dans cette première partie, euh, pourquoi la monnaie est acceptée euh, euh, relativement euh, facilement par tous les individus, tous les agents économiques, comme on dit, mais parce qu'elle est fondée d'abord sur la légitimité que lui a conférée le politique qui l'a instituée comme ayant cours légal. Et elle est fondée également sur la pertinence du système productif, un système productif capable de produire des biens et des services face auxquels la monnaie pourra être un pouvoir d'achat, ou un pouvoir, si, pas, si ce ne sont pas des services marchands, mais si ce sont des services non marchands, un pouvoir de participer à l'effort collectif sous la forme de paiement d'impôts. Ou de codisation sociale. Donc s'il y a pertinence du système productif et s'il y a légitimité conférée par le politique, alors la confiance en la monnaie s'instaure. Et s'il y, y a une rupture de l'un de ces deux éléments, alors la monnaie est fragilisée. Et c'est peut-être euh, sur ce plan-là d'ailleurs que l'euro n'est peut-être pas une monnaie au sens complet du terme, n'est peut-être pas une monnaie qui euh, dont le, est en tout cas une monnaie dont la fragilité revient sur le devant de la scène périodiquement parce que euh, elle, sa légitimité politique est, est chancelante. Hein. Elle n'a jamais été euh, euh, approuvée de manière vraiment euh, large par les populations, et donc elle est le, le fruit d'une construction euh, sans doute euh, hors démocratie, sans doute largement technocratique, pour, pour donner un, un visage monétaire à, à, à l'Europe marchande qui se mettait en place dans les années 80. Deuxième aspect, une stratégie politique. Euh, D'abord, j'y ai fait allusion il y a un instant, euh, la fiscalité écologique, donc par le biais de la monnaie, euh, qui est, est souvent euh, prônée pour justement diminuer les pollutions et sanctionner les usages trop abusifs de certaines ressources et pour éviter, par exemple, une émission trop forte de gaz à effet de serre, cette fiscalité d'ordre écologique, si elle n'est pas accompagnée d'un volet social et en même temps d'une transformation du modèle productif, à quoi elle aboutit Eh bien, aux échecs des taxes carbone. Voyez le, le, le mouvement des Gilets jaunes qui s'y est opposé, non pas parce que l'écologie était l'ennemi mais parce que en l'absence de modèles de transport alternatifs à l'automobile individuelle et en l'absence d'accompagnement social permettant d'éviter les inconvénients pour les catégories sociales ayant des revenus faibles et qui ont donc une proportion de leurs revenus consacrés au déplacement et à l'énergie plus importante que la proportion des catégories aisées ou riches. Alors, s'il n'y a pas ces deux volets, social et de transformation du modèle productif, la fiscalité écologique rate son coup. La, euh, la stratégie politique, deux, deuxième élément de, cette, de cette, euh, cette stratégie, porte sur la maîtrise de la création monétaire nécessaire à l'investissement. Et son complément, c'est le rôle que peuvent jouer les banques centrales au service de la transition écologique. Et ça nous permet, là, ces deux aspects, de dire un mot de ce à quoi on a assisté depuis le printemps au niveau de l'Union européenne, où le Conseil européen et, les, et regroupant les chefs d'État et le gouvernement se sont mis d'accord pour mettre en place un plan de relance. Euh, euh, financé à hauteur de 750 milliards d'euros euh, pour, euh, euh, pour aider à, 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 aller, à ce que l'économie se relève et 750 milliards d'euros qui seraient pour moitié, euh, qui seraient pour moitié euh, accordés sous forme de prêts mais euh, l'autre moitié étant accordée sous forme de subventions c'est-à-dire de dons en quelque sorte qui n'ont pas à être remboursés par les États pourquoi euh, cette proposition? parce que, en euh, empruntant ces 750 milliards sur les marchés financiers, euh, les taux pratiqués pour cet emprunt commun seraient, très certainement et seront très certainement, plus faibles que si chaque état s'était porté euh, demandeur de crédit, de prêt sur ces marchés financiers, avec un risque de, de divergence entre les taux pratiqués pour l'Allemagne vertueuse et puis pour les pays comme la Grèce ou l'Italie, ou voire la France, euh, en plus mauvaise posture sur le plan économique et financier. Euh, mais, euh, bon, si vous avez vu ce qui s'est passé ces jours derniers, vous savez que ce plan de relance européen euh, n'est pas encore prêt d'être mis en œuvre puisque il faut. Euh, ce plan doit requérir l'unanimité des pays membres, les 27 pays membres de l'Union européenne, et pour l'instant, il y a trois pays qui s'opposent à ce que euh, le ces ces prêts accordés aux États et ces dons, a fortiori, euh, se fassent euh, sous condition de respect des de l'état de droit. Donc il y a trois pays, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie depuis quelques jours, qui s'opposent à cette injonction. Et donc on n'est pas du tout sûr que l'année 2021 verra euh, se mettre en place ce plan de relance qui a fait grand bruit lorsqu'il a été adopté au mois de juillet dernier par le Conseil européen. Le, le, le Parlement européen a donné son aval, mais il manque donc l'accord individuel de chacun des 27 pays membres de l'Union européenne. Ce qui fait que le, le, le rôle des, des banques centrales est crucial, et de la Banque centrale européenne en particulier, est crucial dans cette période parce que aux 750 milliards que le plan de relance européen vient d'arrêter, de, de, sans être mis en œuvre encore, s'ajoutent maintenant les achats de titres de dette public, mais aussi privé, euh, de plus en plus, par la Banque centrale, euh, pour justement contribuer à, au relèvement de l'économie. Alors, à ce jour, euh, le, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait racheter jusqu'à 1 350 milliards d'euros de titres publics et privés d'ici le mois de juin 2021. Et elle a déjà commencé. Mais euh, devant... Euh, l'arrivée la, 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 de la deuxième vague du coronavirus. Euh, elle a annoncé au cours des dernières semaines, pour l'instant on n'a pas encore le chiffre exact sans doute euh, qui sera retenu, mais ça oscillerait autour de, je crois avoir retenu 600 milliards supplémentaires en plus des 1350 qui seraient donc consacrés à racheter des titres publics. Euh, donc ce faisant, que fait la Banque centrale Elle rachète donc des titres aux banques qui les abandonnent entre ses mains et la, la Banque centrale crédite du même coup le compte de chacune des banques qui apportent ces titres à, en échange à la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il s'agit de véritable création de monnaie oui et non. Oui, si les banques ordinaires utilisent cet accroissement de leurs réserves pour accorder elles-mêmes des crédits aux agents économiques non financiers, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. Non, si les crédits à l'économie ne sont pas à la hauteur de l'injection de liquidités supplémentaires. Que à laquelle a procédé la Banque centrale européenne. Donc, si vous voyez dans la presse l'idée qu'il y a eu la planche à billets qui a été organisée de manière, avec en utilisant cette expression de façon péjorative, alors qu'il n'y a aucun risque d'inflation à ce jour, qui est euh, rejeté, euh, si vous voyez donc on a fait marcher la planche à billets, euh, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai dans la mesure où la Banque centrale européenne inondent les banques de liquidités nouvelles, mais c'est en partie faux parce que ces liquidités nouvelles ne, ne vont pas se traduire par l'injonction de nouveaux crédits à la même hauteur dans le système productif par les banques. Bon, S'il y a des questions sur ce point, je reviendrai tout à l'heure parce que c'est peut-être le point le plus délicat, ou en tout cas qui est, euh, provoque souvent l'étonnement euh, des citoyens lorsqu'on aborde ces questions. Je termine sur cet aspect-là en disant que, à côté donc de la maîtrise de la création monétaire, du rôle nouveau à conférer aux banques centrales au service de la transition écologique, parce qu'il faut bien voir que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est aujourd pas que la Banque centrale accepte n'importe quel titre de dette privée ou publique de la part des banques. L'idée maintenant est que la Banque centrale conditionne l'achat le, de ces titres publics et privés par le fait qu'ils auront été émis, ces titres, à l'occasion d'investissements soutenables, c'est-à-dire respectant des conditions sociales et écologiques euh, nouvelles. Et donc, c'est ça le, le principal enjeu et qui est très loin d'être aujourd'hui euh, tranché, en tout cas résolu. Parce que les critères de définition des titres soutenables, titres verts, hein, entre guillemets, euh, ces critères de, dé de définition sont encore assez flous pour ne pas dire inexistants. Et de fil en aiguille, on en arrive au terme de cette, ce renouveau d'une stratégie politique à deux questions. Que l'on croyait avoir remisé au musée de l'histoire après après l'éruption du capitalisme néolibéral, c'est le retour de la question de la propriété et le retour de la planification démocratique. C'est-à-dire que ces questions-là sont aujourd'hui au centre des nouvelles réflexions. On le disait tout à l'heure à propos de l'institution des biens communs, mais il faut le voir comme une propriété collective, une propriété sociale et non pas simplement étatique comme ce fut le cas. Auparavant. Je conclue pour vous laisser la parole. Euh, euh, si l'on ajoute, en reprenant la chose depuis euh, à l'envers de tout ce que je vous ai dit, si l'on reprend euh, l'idée d'une banque centrale qui soit un prêteur en dernier ressort, selon le vocable utilisé par les économistes, un prêteur en dernier ressort, mais pas simplement pour les banques, mais pour l'ensemble de la société c'est à dire notamment pour les, pour les états et pour les collectivités territoriales que l'état puisse être ce prêteur en dernier ressort alors que le traité de maastricht et tous les traités européens ultérieurs l'interdisent. si on ajoute à cette idée donc de la banque centrale prêteur en dernier ressort même pour l'état à la deuxième idée que l'état puisse être comme le disait l'économiste américain Iman Minsky, aujourd'hui disparu, employeur en dernier ressort, c'est-à-dire que c'est à lui qu'incombe la responsabilité de relayer l'investissement privé défaillant et l'emploi privé défaillant par un investissement public de renouveau, de transition sociale et écologique et donc un emploi nouveau. Si on y ajoute plus, j'ai mis des plus pour vous montrer que ça s'ajoute, hein, bien sûr, la démocratie sociale, économique, politique, dont je parlais tout à l'heure, et si on ajoute enfin un autre rapport à la nature qui doit être construit pour se défaire de l'idée que la nature, euh, euh, il fallait la voir de manière utilitariste, voire instrumentale, comme quelque chose qu'il fallait absolument dominer pour le mettre au service de, de l'être humain. Et si on le voit plutôt comme une cohabitation entre l'espèce humaine et les autres espèces vivantes, alors on s'approche peut-être de, de l'élaboration de nouveaux modes de production, de consommation qui dépassent le capitalisme. Est-ce que ça sera une voie par le biais de la socialisation c'est ce que j'ai essayé de d'esquisser, mais bien sûr c'est quelque chose qui demande à être discuté et c'est ce que vous allez faire maintenant. Merci beaucoup pour cette présentation très claire avec des questions certainement qui vont venir sur le chat par, par main levée. en attendant, je poserai une ou deux questions euh, par, rapport à, par rapport à cela, et notamment les, les critères euh, dont tu as parlé, dans les critères euh, de soutenabilité, là, donc ils sont encore euh, flous. y a-t-il aussi des discussions au niveau de, de l'europe euh, sur la notion de bien commun, justement, et de bien naturel comme bien commun, et quelle législation y associer pour les mettre en place, les gérer? Les protéger d'une part. Et quand on est dans les critères, une deuxième question. Euh, là, dans, dans ce que j'ai lu hein, sur euh, justement votre appel des, des économistes contre l'accord UE-Mercosur, j'ai lu qu'il est important d'informer les citoyens que les modèles économiques utilisés pour calculer ces gains de PIB sont inadéquats pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux de cet accord. D'autres études utilisant des modèles différents prennent aussi en compte les coûts environnementaux, les transports internationaux, les effets de la déforestation sur les petits exploitants de l'UE ou des pays Mercosur. Justement, est-ce qu'il y a déjà d'autres critères esquissés, des critères qui pourraient être utilisables assez vite Et faut-il aller bien au-delà de cette notion de, de PIB euh... Je réponds de suite. Oui, oui, je... Je réponds de suite, euh, euh, oui. oui, je... d'accord. Hein, oui, merci. Euh, bon, alors, euh, à ma connaissance, l'Europe... À ma connaissance, et donc euh, ça, ça demanderait à être vérifié, euh, l'Europe n'a pas beaucoup euh, avancé sur la notion de bien commun. En revanche, il y a des réflexions sur le plan international qui sont prometteuses. Par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a... a, a a énoncé euh, l'impératif d'ériger euh, la santé comme bien public mondial. On peut dire, bon, on ne va pas entrer dans des discussions trop sémantiques, euh, on peut dire que bien public mondial peut être considéré comme synonyme de bien commun pour l'instant en première approximation. Et donc la santé, euh, et alors cette, cette décision, cette injonction de l'OMS, vient, tout à fait à propos, puisque euh, le, la santé donc, est au premier loge pour euh, répondre à la crise sanitaire. Donc, ériger la santé comme un bien public euh, mondial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Ça veut dire que la course au vaccin étant lancée, il faut se mettre d'accord internationalement pour que le vaccin euh, contre ce Covid-19 puisse être accessible à tous les êtres humains et pas simplement à ceux qui peuvent le payer. Et euh, le. L'enjeu le, 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 en, est là. Et euh, le, alors bien sûr, il faudra payer collectivement, en tout cas, euh, le, le coût de son vaccin. Mais vous, vous rendez compte que le prix du vaccin, selon qu'il intègre les dividendes versés aux actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques ou pas, ça change la donne en matière d'accessibilité. Et je peux vous raconter une anecdote. Au début du mois de... de, de oui, de, c'était en octobre, je suis allé chez mon pharmacien et je lui ai demandé s'il avait, euh, avait des vaccins contre la grippe, hein, puisque c'était la saison. Ah, il me dit... Euh, ah ben non, euh, la préfecture nous avait annoncé l'arrivée, la, euh, la livraison d'un lot de vaccins contre la grippe et pour aujourd'hui et on en a reçu deux vaccins. Et j'ai, me dit-il, dit j'ai 73 demandes de vaccins. Et je lui dis, mais alors d'où ça vient Je lui dit, Alors je, je me doutais un peu de la réponse, mais il me disait, ben, les laboratoires pharmaceutiques qui produisent le vaccin de la grippe euh, les vendent en priorité au pays dans lequel. Le vaccin contre la grippe n'est pas remboursé, donc il est payant et donc il est vendu plus cher. Donc on a là un enjeu capital pour justement autour de ces biens publics mondiaux ou de ces biens communs. Je ne fais pas de différence pour l'instant et qui et qui nous enjeu qui nous qui nous pend au nez, si je peux dire familièrement dans les prochains jours, mois, semaines ou mois, puisque le vaccin contre le coronavirus nous est promis pour pour le début 2021. Pour la deuxième partie de ta question, je disais, mais très rapidement tout à l'heure, que les critères de soutenabilité que pourraient ériger les banques centrales, et pas uniquement la Banque centrale européenne, mais celle-ci en premier lieu, les critères qu'elles pourraient exiger pour accepter les titres, les titres de dette. Contre liquidités monétaires nouvelles données aux banques, ces titres, ces critères de définition sont pour l'instant extrêmement flous et bien malins, et celui qui peut indiquer que une obligation dite verte est véritablement verte une obligation au sens du titre des titres financiers bien malin pour dire que les, les obligations que peuvent émettre les plus grands pollueurs de la planète et qui affichent tous aujourd'hui une image de de, 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 de verdissement extraordinaire eh, total Exxon tous les tous les producteurs d'énergie fossile affichent maintenant un verdissement euh, BP qui voulait euh, euh, BP, donc, donc le BP est, vous vous rappelez, ce sont les initiales de, de l'entreprise anglaise British Petroleum, qui a changé la signification de son cycle. Et depuis une dizaine d'années, BP ne signifie, ne signifie plus British Petroleum, mais Beyond the Petrol au-delà du pétrole, donc c est, c est, ça, ça veut tout dire. Hein euh, bon, donc euh, ces critères-là, donc sont aujourd'hui, euh, il n'y a aucun consensus là-dessus et même euh, il y a à peine une petite ébauche de, 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 de définition. En revanche, on dispose, euh, on dispose d'indicateurs de soutenabilité à la fois sociale et écologique. Euh, quasiment partout. Hein. On sait que les, 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 en termes sociaux, on, sait, on connaît les indicateurs des inégalités de revenus, des inégalités d'accès à la santé, des inégalités d'accès euh, à l'éducation, etc., etc. Donc ces indicateurs-là, on, on les connaît. Et on les connaît même euh, pas simplement en pays par pays, mais on commence à les connaître aussi région par région. Hein. Donc il y a des travaux qui sont tout à fait... Euh, euh, connu et, et mené à ce jour. Est-ce que ça remet en cause le PIB Alors, il y a beaucoup de discussions autour du PIB. Bon, la position que je défends euh, euh, est la suivante. Euh, euh, le la critique du pib est fondée pour une part et infondée pour une autre. elle est fondée parce que ce n'est pas un critère d'évaluation de tous les indicateurs sociaux et écologiques dont nous venons de parler. dans le pib il ne rentre pas en ligne de compte la dégradation sociale ou la dégradation écologique. c'est un indicateur monétaire qui indique ce qu'on a produit ayant une évaluation monétaire en une année. et il ne faut pas lui en demander plus. Hein, euh, si euh, je prends souvent cette, euh, cette euh, comparaison, si je veux mesurer ma taille, je ne monte pas sur ma balance. Et si je veux me, si je veux me peser, je ne me mets pas sous la toise. Hein, la toise est faite pour mesurer ma taille, la balance pour mesurer mon poids. Mais l'un euh, n'est ne pas interchangeable avec l'autre. Donc le PIB, on en a besoin pour connaître la somme des revenus monétaires qui sont produits en une année dans une économie. Hein, euh, mais on a, on a besoin aussi d'autres indicateurs et on en, on, on en dispose de ces indicateurs. Hein, les indicateurs des inégalités, les indicateurs de l'empreinte écologique, de l'empreinte carbone, on les a aussi et seulement ils ne sont pas mis en avance avec autant de force que la croissance économique mesurée par le PIB le plus souvent. Il y avait euh, Véronique dans le chat qui avait levé la main ou mis un, un petit signe vert. C'est pour une question Je ne sais pas. Je, je n'entends pas. Non, il n'y a pas de micro, Véronique. C'est peut-être une mauvaise manipulation. Oui, en, en fait, on l'a écrit. On a écrit la question. Oui, eh ben, tu peux alors, la alors. dire en direct. Oui, ouais. Ça. Ouais. <laughs> en, en fait, ça. Euh, la question, elle, pose, elle portait sur euh, la valeur des services non marchands. Oui. Euh, à savoir euh, euh, comment donner une, une valeur euh, sans doute plus importante. L'idée était, était que cette valeur n'était pas forcément la vraie valeur. Euh, ou la juste valeur, ou euh, n'était pas suffisamment valorisée euh, par rapport à des services euh, qui euh, dont la valeur comment était en fait euh, c'est difficile de donner une valeur monétaire à des services euh, non marchands euh, et voilà et donc euh, comment pouvait comment on pourrait donner une valeur plus importante à ces services non marchands alors euh, la réponse est, est euh... La réponse théorique est très simple, la réponse politique est beaucoup plus compliquée. La réponse théorique est très simple euh, on, la, la valeur du, de l'éducation non marchande, de, de, du soin non marchand, euh, des services dans les bibliothèques municipales, dans les, bon, toutes les infrastructures sociales et euh, culturelles du pays, cette valeur-là, elle est par convention, elle est mesurée par euh, les, les salaires qui sont versés aux gens qui y travaillent et qui fournissent ces services. Alors, donc, donc le principe est tout à fait simple. Et est-ce que c'est un principe qui comporte une erreur de raisonnement Non. Euh, simplement, d'ailleurs, la valeur des services marchands et des biens marchands, elle comprend aussi les salaires, mais s'y ajoutent les profits. Les profits, soit euh, des capitalistes versés sous forme de dividendes, soit les profits qui restent dans l'entreprise. Dans le service éducatif, euh, dans le service de santé publique et il n'y a pas de dividendes versés à aucun actionnaire puisqu'il n'y a pas d'actionnaire et donc par convention on mesure la valeur de ces services monétaires ils sont monétaires mais non marchands à hauteur des salaires au sens large et cotisations sociales incluses qui sont versés à ceux qui y travaillent alors pour ça la réponse est assez simple par contre la réponse politique à la deuxième partie de ta question elle est beaucoup plus compliquée. qu'effectivement, on a vu au printemps dernier, si on, si on fermait les yeux jusque-là, la crise sanitaire nous, nous a permis de les ouvrir, que ces métiers les plus utiles, les plus indispensables, les plus nécessaires étaient malheureusement les plus souvent mal payés et même euh, avaient une... étaient sur le plan éthique, étaient souvent dévalorisés, pas simplement monétairement, mais sur le plan de la reconnaissance sociale. Et donc, euh, l'urgence d'une réhabilitation du travail, ne serait-ce que par le biais de la réévaluation des salaires monétaires qu'ils reçoivent, est, euh, est primordiale. Évidemment, ta question est tout à fait bienvenue, mais elle contenait aussi la, quasiment la réponse dans sa formulation. Alors, euh, comme euh, ces salaires versés pour rémunérer les enseignants, pour rémunérer les soignants, etc., etc., euh, sont véhiculés par le canal des impôts, des cotisations sociales. Ça suppose qu'il y a un consensus politique dans la société pour que la société reconnaisse à la hauteur nécessaire le, le travail qui est effectué dans ces services. Et donc là. On n'a pas simplement une définition à construire, à formuler une définition théorique, on a à construire un rapport de force qui fait que, effectivement, le travail des éboueurs, il est essentiel. Le travail des soignants, il est essentiel. Le travail des éducateurs, de manière générale, est essentiel, etc. etc. Et donc, ça suppose qu'il y ait un consensus social et politique pour que cette, ce travail productif d'utilité sociale et de valeur économique soit inconnu à plus haute à plus haut niveau que celui qu'il est aujourd'hui je prends une question dans le chat parce que euh, j'ai vu donc, euh, emmanuel henry je, je laisserai la parole juste après je lis juste une question dans le chat puisque euh, christiane gaudichet a, a posé plusieurs questions donc je, je vais prendre celle ci euh, alors euh, elle, part, euh, elle est transparente, hein, elle dit. Je me réfère pour toutes ces remarques à la théorie de la régulation. C'est pour ça aussi que j'ai euh, choisi euh, de, de prendre cette question. Euh, donc, elle dit, dans votre exposé, je trouve que vous avez assez peu parlé de l'entreprise. Elle a été le centre des compromis qui a permis au système capitaliste de fonctionner. Par exemple, après la guerre, on avait plutôt un compromis dirigeant d'entreprise et salarié l'entreprise concédant des gains de pouvoir d'achat pour permettre aux salariés d'acheter les biens durables, le tout régulé par l'État. Aujourd'hui, le système capitaliste ne peut-il pas fonctionner autour d'une entreprise prenant mieux en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes et le respect de l'environnement, le tout contrôlé par l'État et ses satellites En Chine, l'État pourra certainement imposer de nouvelles règles. En Europe, ce sera plus difficile. Mais n'est-ce pas une piste pour que le système capitaliste poursuive une nouvelle étape de son développement euh, Excellente question, mais difficile, bien sûr. Alors, je n'ai pas, euh, en tout cas, pas volontairement sous-estimé l'apport de l'école de la régulation, eh, qui, a, qui a fait partie de, de mes débiberons auxquels je me suis nourri aussi. Euh, mais euh, si l'on pense qu'il euh, y a une éternité devant le système capitaliste, alors effectivement, il va y avoir, il y aura sans doute des nouveaux compromis sociaux qui pourront être euh, élaborés. Je, je j'ai un petit doute sur la capacité du système à reconstruire une régulation de l'ensemble du système sur les mêmes bases qu'autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois, le, le grain à moudre, comme on disait, était beaucoup plus important, puisque les fameux gains de productivité dont on a parlé au début étaient beaucoup plus importants. Et donc, il a été assez facile pour le capitalisme de procéder au compromis que je viens ou vous venez de, 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 de rappeler à très juste titre. Aujourd'hui, les gains de productivité étant beaucoup plus faibles, évidemment, les tensions pour l'établissement d'un nouveau compromis qui soit moins défavorable vis-à-vis -vis des salariés, ces tensions-là sont beaucoup plus fortes, évidemment. C'est pour ça que je pense que par le biais de l'introduction de la démocratie dans les entreprises, on peut arriver à faire un peu, un peu je dis en étant très modeste, un peu bouger les lignes. Euh, bouger les lignes aujourd'hui en l'absence totale de démocratie dans l'entreprise pour savoir ce qu'on va produire, à qui c'est destiné et quel type d'organisation du travail on met en place, quelle durée du travail et quel partage de la valeur ajoutée, aujourd'hui ce compromis est, impo est impossible pour l'instant. Et euh, le, le, la difficulté, c'est d'arriver justement à euh, imposer l'idée. Que, euh, un nouveau type de, de gestion des entreprises est possible. Bon, ça, ce n'est pas, pas révolutionnaire en soi, mais ça permettrait de, de, desser, de desserrer la tenaille, de desserrer les taux dans lesquels, effectivement, les travailleurs salariés euh, sont euh, euh, enserrés de manière extrêmement forte euh, euh, depuis maintenant euh, euh, plusieurs, plusieurs décennies. Donc, le, le, le compromis. Je ne préfère pas. Le compromis que vous souhaitez et qu'on peut souhaiter, je n'ai pas d'a priori radical à propos d'une stratégie qui viserait à engager des réformes vraiment radicales, vraiment substantielles pour desserrer les taux dont nous parlons. J'ai perdu aussi mes illusions sur le, le grand soir qui permettrait d'un coup de baguette magique de tout changer à la fois. Non. Certainement, il faudra qu'il y ait des phases de transition. On parle de la transition écologique, mais la transition sociale parallèle est tout aussi importante pour justement faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, c'est aussi une autre manière de dire ce que j'ai exprimé tout à l'heure, à savoir essayer de construire une, une, une frontière, l'horizon dans lequel il ne faut pas pénétrer pour ne pas tomber dans le trou noir. C'est l'expression le, employée par les astrophysiciens. Ils appellent ça cette frontière-là, ils appellent ça l'horizon des événements, au-delà duquel disparaît dans le trou noir. Donc tout à fait d'accord pour remettre en place des, des, des régulations d'ordre socio-institutionnel que la théorie de la régulation a eu le mérite de, de mettre en première ligne pour expliquer les, les transformations et les évolutions du capitalisme. Euh, J'aime bien une formule de Robert Boyer. Euh, dans une interview à Alternative économique l'an dernier, euh, l'intervieweur lui demandait est-ce que le... Est-ce qu'on est à la crise finale du capitalisme Il dit non, non, euh, c'est pas la crise finale du capitalisme, mais il n'est pas éternel. Donc euh, voilà, j'aime bien sa, sa formule. Euh, bon, on n'est pas sans doute à la veille de la crise finale, mais il faut bien se dire que le capitalisme n'est pas et ne sera pas éternel. Donc ça veut dire que euh, à chaque génération, euh, euh, le, la responsabilité de, de mettre en place suffisamment de bornes au champ de valorisation du capital et c'est pour ça que la défense du, 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 du secteur non marchand est essentielle et c'est pour ça que la maîtrise de la monnaie parce que et là aussi il y a souvent des confusions dans le débat public entre capitalisme et monnaie capitalisme et marché autre confusion fréquente euh, les marchés et la monnaie sont bien antérieurs à l'histoire du capitalisme et je pense mais là aussi ce n'est qu'une hypothèse je pense qu'ils perdureront marchés et monnaie perdureront si on arrive à dépasser le capitalisme. Bon, mais ça demanderait une longue discussion euh, euh, que qu'on fera la prochaine fois. <laughs> Je laisse la parole à Emmanuel Henry qui voulait poser une question. Euh, oui, vous ne pensez pas plutôt qu'on va vers une démonétisation plutôt que qu'un autre chemin où chacun pourrait faire un petit peu ce qu'il veut de son argent et que là, on va être complètement... On ne va pas vraiment décider de comment on dépense notre argent et surtout quel est, sous quelle forme en fait. Parce que là, avec la crise en plus sanitaire où on ne doit plus toucher à rien, c'est tellement facile de faire un petit bip avec sa carte bleue. Alors voilà, je trouvais que justement là, ça comportait vraiment, pour moi en tout cas, des craintes importantes. Euh, voilà, par rapport à cette démonétisation galopante. Euh, alors, je pense que là, peut-être qu'il faut clarifier un point de vocabulaire. Euh, je ne crois pas qu'on assiste à une démonétisation de l'économie. Mm -hmm. Au contraire. En revanche, en revanche, les supports de la monnaie sont en train de changer radicalement. Là, vous avez raison. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les espèces sur non trébuchantes sont en régression, en tout cas l'usage des espèces sur non trébuchantes est en régression. Et même on, on sait que certaines banques centrales euh, commencent à réfléchir à la suppression même des billets et des pièces, mais ça ne veut pas dire qu'on démonétise l'économie, ça veut dire qu'on on rend immatériel cette monnaie, ce qui est tout à fait différent. Hein. Ouais. Euh, ce que, ce, en fait, ce que vous appelez démonétisation, je préférais l'appeler... Euh, immatérialisation de la monnaie, c'est okay. tout à fait différent. Hein, si on est d'accord là-dessus, hein, cette petite précision. Et en fait, euh, vous avez raison. Donc, euh, la monnaie devient de plus en plus immatérielle. Je ne, je n'aime pas non plus le qualificatif de virtuel, parce que quand je vais faire mes achats en payant avec ma carte, c'est pas virtuel. Je repars avec la marchandise et mon compte va être débité. Donc, c'est pas du tout virtuel. Hein. C'est au contraire très réel. Le problème, c'est que ça se passe de manière immatérielle. Voilà, un clic a suffi pour que, je sois débité, euh, que mon compte soit débité. Donc, il faut bien euh, réfléchir à ça. Et, euh, mais peut-être il y avait ça comme, euh, comme idée sous-jacente à votre question. Donc, si ce n'est pas le cas, ben je, je vous en ferai votre miel si, si possible. Il euh, y a souvent une discussion aussi euh, à, euh, à l'occasion de l'apparition et du développement de certaines monnaies, euh, dites virtuelles ou crypto-monnaies comme le bitcoin euh, qui fait beaucoup parler de lui euh, mais euh, là aussi euh, on peut en discuter mais euh, ce sont des instruments euh, qui n'ont pas qui ne qui ne revêtent pas toutes les caractéristiques qui font d'une monnaie une véritable monnaie. le bitcoin n'est pas une monnaie au sens où on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire une institution de la société qui reçoit une légitimité politique et qui, en face d'elle, a un système productif capable de rendre cette monnaie en termes de pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas de, du Bitcoin, qui est une, un instrument purement spéculatif euh, aujourd'hui. Et euh, le, de la même façon, euh, les banques centrales commencent à, à mettre en place des garde-fous. Pour que des grandes multinationales comme Facebook ne s'imaginent pas être en mesure de créer une nouvelle monnaie. Facebook a annoncé l'année dernière qu'elle allait créer le Libra, qui serait une monnaie purement immatérielle, alors à 100% immatérielle, et qui se passerait d'une régulation globale, d'une régulation collective, par le biais des banques centrales et voire des États. Et donc là, il y a un vrai. À mon avis, euh, là non plus, on ne peut pas faire de pronostic sur ce qui se passera dans l'avenir, mais à mon avis, il y a un vrai danger de dépossession, d'un pas de plus dans la dépossession de la maîtrise collective de la monnaie, si on laissait libre cours à l'expansion euh, de ce type d'instruments euh, qui n'ont pour l'instant qu'un usage de type spéculatif, mais qui ne peuvent pas euh, remplir tous les usages sociaux et pas simplement économiques d'une vraie monnaie. Avec le Bitcoin, vous ne prélèverez pas de cotisation sociales pour financer la sécu. OK, merci. Merci. Je vois dans, dans le chat qu'il y a deux questions là qui se rejoignent et qui rejoignent des questions qu'on avait aussi préparées, On n'a pas le temps de tout passer. Donc, Yves, Cohen, Adria et Michel Levert, qui entre parenthèses est administrateur à la MIR, qui pose la question de la taxation des transactions financières. Euh, comme plus de deux tiers des députés européens l'ont demandé, et pour laquelle d'ailleurs euh, euh, M. Laroutourou fait une grève de la faim actuellement, et qui ferait partie donc, des, des fonds qui pourraient être dégagés pour viser la neutralité carbone des émissions de gaz à effet de serre, sachant que ce n'est sans doute pas suffisant, quels sont pour vous les autres leviers Alors, bon, vous savez que la, la taxe sur les transactions financières, c'est une vieille idée qui est née dans les années 70 et qui a été remise au devant de la scène il y a maintenant une vingtaine d'années lorsque a éclaté la crise dite du sud-est asiatique et donc cette idée est revenue au devant de la scène et c'est d'ailleurs sur cette idée que l'association attaque s'était créée en 1998 vous vous en souvenez bon. et à mon avis il y a deux gros problèmes à discuter D'abord, la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, à avoir un consensus international suffisamment large pour qu'elle soit véritablement mise en place, et donc de pérégrination en pérégrination, de, 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 de négociations qui n'aboutissent pas en négociations qui n'aboutissent pas, cette taxe sur les transactions financières n'a jamais encore pu véritablement voir le jour. Même s'il y a des petites avancées au sein de l'Union européenne et au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, bon, mais bon, pour l'instant, c'est quand même, c'est quand même euh, peu, peu, peu abouti. Le principal, la principale pierre d'achoppement, en tout cas au niveau de, euh, euh, j'ai un problème avec mon écran là, pardon. Voilà, ça y est, c'est revenu. La principale pierre d'achoppement dans les négociations, en tout cas au niveau de l'Europe, porte sur l'assiette de la taxe. Donc, quelle, quelle assiette faut-il fixer à la taxe Est-ce que ce sont toutes les transactions financières Est-ce que ce sont les transactions financières à découvert Est-ce que, bon, bref, il y a un tas de discussions très techniques qui se déroulent et qui, le, 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 les négociateurs font durer le plaisir pour retarder toujours la mise en place d'une véritable taxe euh, ça, c'est le premier type de problème. Donc, euh, grosso modo, les obstacles à, à, à l'établissement de cette taxe euh, qui bousculerait euh, le, la liberté totale de circuler sur les capitaux. Et alors, j'en viens au deuxième problème. Je pense, et là, il y a une responsabilité du, des mouvements sociaux euh, dont, dont Attaque fait partie, euh, une responsabilité à repréciser le pourquoi d'une taxe sur les transactions financières. Une TTF n'est pas faite a priori, pour financer quelques besoins sociaux ou écologiques euh, qu'ils soient. La taxe euh, sur les transactions financières, elle vise à mettre, comme le disait euh, Tobin, euh, l'inspirateur le, le, dans les années 70 de cette taxe, euh, pour mettre un grain de sable dans les rouages de la liberté de circuler des capitaux. La liberté de circuler des capitaux a été instaurée au tournant des années 70-80 pour remédier à la baisse de rentabilité du capital. On en revient toujours à cet indicateur clé du capitalisme, la rentabilité du capital. Pour remédier à la faiblesse de la rentabilité du capital, les grands leaders politiques et économiques du monde, à l'époque, ont décidé d'accorder la totale liberté de circuler au capitaux. Et donc, entraînant la, le gigantisme des transactions financières euh, à, la, à la seconde, seconde et à la nanoseconde, nanoseconde aujourd'hui. Euh, et donc, pour réguler cette finance purement spéculative, euh, la taxe euh, imposée sur chaque transaction permettrait de réduire, non pas d'anéantir d'un coup de baguette magique, mais de réduire. Considérablement, en tout cas dans une proportion appréciable, le volume des transactions financières. Ça n'a pas pour but de financer quoi que ce soit. Bien sûr, comme d'un coup de baguette magique, on ne supprimera pas toutes les transactions d'un coup il y aura un produit de cette taxe qu'il faut ensuite utiliser le plus intelligemment possible. Mais ce n'est pas le but premier. Et malheureusement, même au sein d'ATA, quelquefois, on voit encore répandue l'idée qu'il faudrait une vraie taxe des transactions sur les transactions financières pour financer le social, l'écologie, la transition énergétique. Non, non. Moi, à cette idée-là, je dis non. C'est une erreur parce que la taxe sur les transactions financières n'a pas ce but-là. Mais, je le répète, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut utiliser intelligemment, Alors pour, les, pour satisfaire les besoins qu'on a énumérés, bien sûr, utiliser intelligemment le produit de cette taxe. Mais si la taxe était efficace, son assiette se réduirait à compot de chagrin. Donc, on ne peut pas concevoir une fiscalité à la fois sociale et écologique une, sur une, une assiette dont le but est de la réduire au maximum. Vous comprenez, il y a une contradiction. Mais, je le répète, une troisième fois, une dernière fois, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de mauvaise compréhension, la taxe ne sera pas magique. Si elle est instituée, elle ne sera pas magique. Donc, il y aura un produit de la taxe. Et s'il y a un produit de la taxe, ça veut dire qu'on n'a pas réduit totalement et peut-être même suffisamment le volume des transactions spéculatives. Donc, il faudra utiliser à bon escient cette manne-là. Mais il ne faut pas inverser les priorités. La priorité, c'est frapper la spéculation. Alors, euh, une autre question. Alors, on, on doit clôturer à 20h30, on a dit, donc je, je pose au moins une dernière question selon l'inspiration selon dans la réponse Jean-Marie. On en restera à sa dernière question ou où on en aura d'autres, mais elle est, elle est vaste, tu vas voir. Euh, Kéré Lohan qui euh, te demande quelle est euh, votre position vis-à-vis -vis du concept de décroissance. Et euh, je me permets d'en rajouter une personnelle. Euh, quand tu as présenté le graphique sur la déconnexion relative, mais pas absolue, euh, est-ce qu'on euh, peut y voir là un argument pour la croissance verte Je vais te laisser répondre. Euh, le, le, je, je pense que la croissance verte est un, un concept qui est qui fait fureur en ce moment, mais qui postule que le capitalisme est capable de se verdir. Donc l'écologie le, le, serait soluble dans le capitalisme ou l'inverse, comme tu veux. Je, je n'y crois pas. D'ailleurs, il y a un titre de mon chapitre du trou noir qui, qui est là-dessus hein, est-ce que le capitalisme peut, peut devenir écologique Je ne le pense pas. Pourquoi parce que, parce que le capitalisme et l'écologie obéissent à des temporalités radicalement différentes. Le capitalisme a un horizon de quelques années. Euh, si un capitaliste fait un investissement, c'est pour voir sa rent son retour sur investissement, comme on dit, euh, au bout de quelques mois, quelques années au plus. Donc l'horizon d'un investissement capitaliste, c'est rien du tout par rapport à la temporalité des équilibres des écosystèmes. Ne serait-ce que le, le cycle du carbone, le cycle du carbone, c'est un moins un siècle. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique auquel nous assiste, commençons à assister, il n'est pas dû au carbone que nous émettons aujourd'hui. Il est dû au carbone qu'on a émis depuis 100, 100 ou 150 ans. Et celui que nous émettons aujourd'hui et dans les prochains mois et années, eh bien ce sont nos descendants dans un siècle qui en verrons, paieront les conséquences. Donc on a deux temporalités radicalement différentes. Donc la croissance verte, je n'y crois pas. La décroissance. Alors, euh, euh, ceux, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait ma thèse de doctorat qui est dirigée par Serge Latouche, qui est le grand, le grand ordonnateur de la décroissance, sur le plan théorique en tout cas, en France. Euh, J'avais à cette époque-là un débat euh, qui se poursuit toujours, euh, qui, un débat très très serré là-dessus, parce que je pense que le, les promoteurs, les partisans de la décroissance font l'impasse sur euh, ce que moi je considère comme indispensable, euh, inévitable c'est une transition qui va s'acheminer, qui va durer euh, sans doute plusieurs décennies. C'est-à-dire que euh, la. La transformation de nos systèmes de transport, de nos systèmes énergétiques, de, de, notre, de notre habitat, de l'urbanisme, euh, faire en sorte qu'on mette fin à l'étalement urbain qui oblige à avoir une bagnole euh, individuelle, etc., etc. Euh, toutes ces transformations vont nécessiter des investissements colossaux. Isoler tous les bâtiments et tous les logements, ça va prendre des décennies. Ça va nécessiter de former la main-d'œuvre pendant, pendant le, plusieurs années et décennies pour qu'on ait des, des, des travailleurs qualifiés pour, pour faire ces, ces, ces isolations. Pardon. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir une phase de transition dans laquelle euh, des investissements massifs vont être, devoir être mobilisés, dont je ne crois pas possible de les faire. Euh, dans une situation où la production globalement parlant diminuerait dans la phase de transition. en revanche, en revanche je pense que euh, on peut envisager le plus rapidement possible de faire décroître certaines productions pour que d'autres puissent croître et celles qui doivent croître ou qui pourront croître je pense qu'elles seront que ces accroissements seront d'ordre qualitatif, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une qualité qui ne soit pas obsolète au bout de quelques mois ou même quelques années, on a besoin de biens durables, mais au sens premier du terme, de biens durables et des services de qualité, et il faut certainement accepter et mettre en œuvre la diminution, donc la décroissance au sens propre du terme, la décroissance de certaines productions. Et je pense qu'il faut se préparer à la reconversion de toutes ces productions dont il faut envisager la diminution. Le, la pandémie, encore, nous, met, nous fait mettre le doigt là-dessus. Que, quel avenir pour le secteur aéronautique, quel avenir pour le secteur automobile, alors qu'il faut envisager la diminution des transports internationaux, qu'il faut envisager la diminution des transports individuels au profit des transports collectifs. Donc, euh, c'est là que le, le, la destruction créatrice chère à, à Schumpeter pourrait avoir un sens, c'est-à-dire qu'il y a des diminutions qu'il faut entreprendre et puis il y a d'autres productions qui mériteront d'être augmentées. Qu'est-ce Que deviendra le PIB au total, sur lequel s'arboute une quantité de réf... impressionnante de réflexion aujourd'hui Que donnera le PIB dans cette phase de transition Je n'en sais strictement rien. Et à la limite, c'est pas important, de mon point de vue. Pourquoi Parce que, prenons un exemple simple si au lieu de produire X quintaux de blé merdique, pardonnez l'expression, de blé merdique, c'est-à-dire produit dans des conditions euh, sociales et écologiques dévastatrices, on produit la moitié simplement de ces X quintaux de manière écologique, biologique, si vous voulez. Que va devenir la production totale Est-ce que l'augmentation du prix des productions biologiques, des productions agricoles biologiques, parce qu'il y aura une augmentation du prix, parce qu'il faut plus de travail, il faut plus de temps pour produire ces, 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 ces nouvelles productions, est-ce que l'augmentation du prix que l'on multipliera par les quantités produites seront plus ou moins importantes que les quantités produites de manière euh, polluante, euh, productiviste, par un prix plus faible On n'en sait rien. Est-ce que l'un compensera plus que l'autre dans un sens ou dans l'autre, on ne sait, on peut pas le prévoir. Donc, et si on généralise le raisonnement, si on fait le même, le même raisonnement pour euh, toutes les productions, puisque le PIB, c'est la, la somme de toutes les productions, diminuer des consommations intermédiaires, euh, qu'est-ce qu'on qu aura Des prix plus élevés multipliant des quantités plus faibles aboutiront-ils euh, à un PIB plus faible ou plus important Je n'en sais rien et je ne peux pas le prévoir. Tout dépendra de la masse des productions qu'on réussira à faire de, de décroître et de la masse des productions qu'on réussira à faire croître. On ne peut pas le dire à l'avance. Et je dirais, peu importe si c'est la qualité qui l'emporte. Je pense qu'il faut plutôt que s'axer sur la, le, la, somme, la somme monétaire du PIB. Il faut axer notre réflexion sur la qualité de cette production et donc de la qualité de ce fameux PIB. Merci Jean-Marie. Alors on prend une dernière question de Clémence Morinière et donc une question courte et une réponse courte. Ce sera parfait pour nous. Clémence, si tu veux poser la question. Oui, euh, bah, désolé, c'est pas Clémence. Euh, un, un, une petite question par rapport à justement la taxe Tobin, euh, mais c'est peut-être plus par rapport aux, aux orientations générales d'attaque. C'est juste, euh, vu comment Jean-Marie Arribet pr présentait le, le but de la taxe Tobin, à savoir de limiter les transactions financières par cette taxe-là, euh, ça me... Ça me paraît assez, assez illusoire euh, que de pouvoir réduire de manière significative, en tout cas ces mouvements de capitaux, uniquement par une taxe, surtout vu les modalités de, de mise en place. Il parlait d'une mise en place notamment au niveau européen et vu l'orientation général, générale de l'Union européenne, je ne vois pas trop comment... Comment c'est possible d'espérer quelque chose d'un temps, temps soit peu significatif Et euh, j'avais autre chose à dire par rapport à ça. Et est-ce que ça ne serait pas plus, plus efficace même stratégiquement de, de poser la question de, de la, la limitation des mouvements de capitaux aussi, vu que ça, ça a été énorme, énormément dérégulé depuis 50 ans et c'est à la base de pas mal de problèmes actuellement. Et voilà. Comme Léo m'a demandé une réponse euh, brève, bon, euh, le, ta question contient la réponse, effectivement, et je suis absolument d'accord avec elle, avec ta réponse implicite, à savoir que la taxe euh, Tobin, la taxe sur les transactions financières, euh, est en elle-même insuffisante, évidemment. Et donc, il, il faut accompagner cela d'une nouvelle réglementation de la circulation des capitaux, bien sûr. Et par exemple, c'est une idée qui a été creusée par certains travaux, euh, par exemple, obliger euh, qu'un placement pour faire un investissement, soit pour une durée minimale. Donc, l'interdiction de j'achète aujourd'hui, je revends demain. Non, ou je revends dans la seconde d'après. Non, il y a un investissement et le maintien du capital sur place est exigé pendant une durée minimale. C'est-à-dire que L'investisseur n'a peut ne pas avoir le droit de retirer ses billes euh, du jour au lendemain sans euh, avoir respecté les législations sociales environnementales euh, qui ont été euh, instituées. Donc, tu as tout à fait raison. Hein, vous avez tout à fait raison. Le, la taxe Tobin. Bon, la question m'a été posée là-dessus, donc euh, j'ai répondu là-dessus. Mais euh, il faut évidemment compléter euh, cette taxe, c'est le jour où elle serait mise en place, par tout un arsenal de nouvelles réglementations qui conditionnent le transfert. Et les mouvements de capitaux. Et ce qui fait qu'en filigrane, on arrive à des questions qu'on n'a pas eu le temps euh, d'aborder ce soir, mais qui sont déjà euh, sous-jacentes à savoir que euh, c'est la question des, de la localisation et donc des délocalisations de la production qui est en filigrane, et c'est la question du libre-échange avec les traités donc, auxquels quelqu'un tout à l'heure, je crois, faisait allusion euh, dans la, dans, au début de la discussion. Donc, euh, de fil en aiguille, taxes. Plus réglementation de la circulation des capitaux, plus respect de normes sociales et environnementales pour localiser les productions et en finir avec cette, cette dissémination de ce que les spécialistes appellent aujourd'hui les chaînes de valeur à, dans tous les coins du monde pour que les multinationales puissent jouir des, euh, des, des conditions de production euh, et de commercialisation qui leur soient les plus favorables. Donc, il faut. Donc, Merci pour la question qui permet de préciser ce point très, très important, donc la mise en place de nouvelles régulations nationales et internationales pour que euh, la circulation des capitaux obéisse à des exigences euh, décidées par la collectivité. Merci, merci beaucoup Jean-Marie Haribé pour euh, cette conférence, c'était passionnant. Je crois qu'on a beaucoup de messages en ce sens. Euh, dans le chat, merci à, à toute l'organisation, à Léo. Alors pour juste, il y aurait encore plein de questions et plein de plein de choses à dire certainement. Merci pour toutes ces pistes qu'on pourra explorer euh, et relire et revoir d'ailleurs avec le, le replay. Euh, en, je pourrais euh, parler peut-être juste vous dire euh, en, en complément. Là, on a parlé un petit peu d'alternatives économiques, mais moi j'ai trouvé que celui du mois de novembre nous donnait des alternatives justement euh, intéressantes. Hein, il, est, il est bien à consulter. Jean-Marie, peut-être as-tu aussi des, des livres à, à recommander pour que on puisse euh, voilà, s'approprier ces sujets et puis, euh, et puis mieux les comprendre. Bon, mais écoute, il y a toutes les productions. Euh collective d'attaque et puis d'autres il y a déjà tout ça oui et, et puis bon il y, y, y a mon dernier livre là qui, qui, qui n'a pas son pareil bien sûr hein. bon non Merci. mais euh, je crois que euh, on manque pas de, de sources d'information aujourd'hui euh, de degrés de difficulté plus ou moins grande bien sûr euh, mais bon on a je crois qu'on a on, a on a des choses à se mettre sous la dent si l'on veut bien fait, euh, je fais souvent des comptes-rendus de mes propres lectures, donc je les mets à disposition. Mon, souvent, je les mets sur mon blog ou bien dans la revue Les Possibles, où toutes ces questions sont débattues euh, régulièrement. Euh, J'ai fait euh, trois, trois comptes-rendus de lecture récents euh, sur les livres de euh, Robert Boyer, de Cédric Durand et de Éloi Laurent. Et puis j'en ai fait deux autres, non plus en économie, mais j'ai fait deux, deux recensions, la récente, d'un philosophe qui s'appelle Baptiste, Baptiste Morisot, euh, dont, que vous trouverez sur mon site. Là, j'ai fait ça cet été. Et j'ai fait un autre compte-rendu, là, qui va apparaître dans le prochain numéro de la revue Les Possibles, d'un autre philosophe qui s'appelle Pierre Charbonnier, euh, qui montre comment le, euh, il y a maintenant une rupture euh, euh, effectuée à propos de l'alliance. Euh, de l'association la, de entre la recherche de la liberté, de l'abondance et la croissance économique, l'abondance. Et donc c'est un livre passionnant aussi qui mérite d'être lu et discuté. Bon, donc euh, je, je fais ça régulièrement. Tout ce que je lis, j'essaye de le mettre en note d'abord parce que j'ai une mémoire qui flanche maintenant vu mon grand âge. Et donc je garde ça aussi euh, comme trace mais je le mets à disposition. Et donc, euh, ne manquez pas d'acheter les livres euh, que les petits éditeurs euh, ont de la peine à écouler dans ces périodes de confinement où, et où leur activité est considérablement ralentie, voire, euh, menace, voire euh, jusqu'à menacer leur propre existence. Donc, mon éditeur, là, Le Port de l'Eau, qui a édité Le trou noir du capitalisme, mérite d'être soutenu dans cette perspective. Merci, merci beaucoup. Léo, tu veux aussi conclure Merci à vous. Sur conclure. Merci à vous. Bah, enfin, remercier tout le monde pour votre présence. Tout le monde, merci merci Jean-Marie Jean et tout le monde. Et merci que à vous. Que merci à Daniel connexion. aussi. Hein. Merci beaucoup. À bientôt pour d'autres réjouissances. Oui, vous avez des choses dans le chat, des liens comme mis Charles. On essaiera de les, les renvoyer mmh. si les gens les ont pas. Et je, je vous enverrai là demain quand j'aurai relu l'ensemble pour voir s'il n'y a pas de coquilles, euh, le diaporama. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci. Bonne à soirée. Soirée. Bonne, merci à tous. Bonne, merci. Bonne soirée.